Donc, autour de moi, pour notre troisième tête, on a Candembour Anglès, Bénédicte, Roger 42 et Théa Toile. Donc, adapté et mise en scène par Victoire Berger sur un texte de Olivier Bordeaux, avec Anne Charrier, Didier Brice et Victor Boulanger. C'est une histoire difficile un peu à résumer. Est-ce que quelqu'un veut m'aider pour résumer C'est une folle histoire d'amour. Mais c'est aussi, oui, ça avait l'air, enfin, c'est fantasque, feu follet, un peu fou. Donc, on va peut-être en rester là sur un petit peu la définition. Qui a lu le livre en tout cas, avant d'aller voir la pièce ou après? Ça vous a Après. donné envie, ça t'a donné envie de lire le livre? Voilà, ça m'a donné envie de lire le livre et c'était beaucoup plus intéressant dans ce sens-là, je pense, parce que je suis souvent déçue quand j'ai lu un livre et que je veux voir une pièce, ou quand je vais au cinéma d'ailleurs. Et dans ce sens-là, en fait, ça me permet de revivre la pièce et j'ai trouvé ça très très intéressant. Patrick Gey a trouvé que l'univers riche et visuel du roman de Bordeaux semble difficilement transportable par le théâtre. Ça, contre tout coup, après avoir lu le livre, est-ce que finalement quelque chose t'a manqué au théâtre? Non, parce que j'ai bien aimé le côté narration par le fils, qui parle effectivement au passé, mais on sent bien qu'il raconte une histoire. Et donc, en fait, moi, je me sentais portée par cette histoire racontée par le fils. Et donc, j'étais un peu comme dans un livre, justement, parce qu'on me racontait cette histoire, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Moi, je suis tout à fait d'accord, dans le sens où j'ai pas non plus commencé par le livre, j'ai commencé par la pièce. Et c'est ce que je fais en général, parce que comme le théâtre est ce qui me motive et ce qui me passionne, je commence souvent par là, que ce soit pour les livres ou pour des films aussi que je ne vois après. Donc je vois l'original de temps en temps après. Et en Ben non, fait, l'original, c'est peut-être le théâtre, parfois. c'est ça, ben oui, forcément. Ça Mais. arrive, certaines comme pièces, bon, je veux dire le prénom, même si je risque de me faire engueuler, hein, qui d'abord était une pièce, puis un film. C'est vrai. Et ce que j'ai trouvé très riche aussi, c'est qu'en fait, en partant, en ne connaissant pas le livre, j'ai trouvé qu'en fait, j'étais dans un livre sur la scène. Parce qu'en fait, détrompez-moi si je dis une bêtise, mais le fils n'a pas de prénom. Et en Oui. fait, c'est tout le temps lui qui tient la narration du début à la fin de la pièce. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était le narrateur qui mettait en route, on va dire, et qui mettait en mouvement. Le livre qui se mettait à parler avec ses personnages sur la Complètement, scène. les scènes se dessinaient après qu'il ait commencé à raconter, effectivement, à tel moment il s'est passé ça, ensuite on est parti là et on voyait la scène Et très arriver. souvent, les personnages commençaient à parler, on avait l'impression que les guillemets s'ouvraient et là, ils se mettaient en mouvement, que C'est ce soit la complètement mère ou le l'effet, père, ouais. et je trouvais que c'était. C'était vraiment ça. Et c'est pour ça que je vois pas trop le commentaire sur le fait que ce serait mieux adapté au cinéma, dans le sens où je trouvais que c'était un point de vue très intéressant de dire voilà, on part d'un livre et on va mettre un livre sur scène. Et je trouvais que du coup, c'était un point de vue qui tenait la route et qui m'a aussi donné envie de lire le livre. Moi, je le vois totalement marcher sur scène et c'est léger, c'est aérien et j'ai beaucoup aimé aussi. Après, l'avantage, c'est qu'il y a aussi énormément de rythme. Et c'est vrai que du coup, on ne perd pas le fil, Très dynamique. tout est très Oui, c'est fluide. dynamique, c'est Voilà, vrai. c'est très dynamique et c'est pour ça que moi je comprends pas non plus le fait qu'une adaptation ciné serait plus pertinente. Pas convaincue. Ce qui est porté sur scène est très bien. Il y a des faiblesses, mais ça tient la route dans l'ensemble. Même si sur la partie centrale, on perd un petit peu le rythme, la folie un petit peu du début, mais on la retrouve par la suite. Donc ça. Et moi, l'idée de la folie, pour la fréquenter assez fréquemment avec le quatrième mur pas loin, donc je trouve que la folie est très très bien traitée. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est une pièce qui est assez légère, qui est assez vivante, assez enjouée, mais au final, si on regarde les thèmes, ça peut être très bien la folie, ça peut être le sentiment de décalage de cet enfant qui est élevé par des parents qui le mettent dans un cadre qui ne correspond pas à ce que la société attend de lui. Donc, il y a ça aussi, il y a la solitude. Et en fait, finalement, cette histoire d'amour où le père décide que coûte que coûte, il suivra. La mère est très belle, et donc en fait, ça fait un peu un conte pour adultes où il y a des thèmes difficiles mais traités de façon légère. Tout à fait, parce que c'est assez profond, effectivement, et ça m'a un petit peu chamboulée quand même en sortant. On discutait, j'étais avec une personne de ma famille quand j'ai vu cette pièce, et ça nous a fait penser à quelqu'un d'autre de la famille en disant, oui, ça pourrait être comme ça aussi. Mais même en étant sain d'esprit, on arrive par moments à s'identifier sur n'importe quel. Non, mais Voilà. Théa Toile n'était Après, pas bon. saine d'esprit, Oui. donc pourquoi tu t'exprimes?
Mais j'ai été le voir avec quelqu'un qui était une personne saine d'esprit. Et voilà, c'est vrai que même si on ne s'identifie pas intégralement au personnage, il y a toujours des petites répliques, des intentions, des émotions qui nous disent « Ah oui, tiens, c'est vrai que... » Puis il y a aussi une belle complicité parce que c'est censé former une famille. Et je trouve qu'ils forment vraiment une famille sur scène aussi. Oui, les trois acteurs se complètent et ils sont beaux ensemble. Donc c'est ça aussi qui fait que la pièce... Ça vous a laissé un sentiment positif à la sortie de la pièce ? Tout à fait. Complètement. Vous êtes rentrée. Vous êtes rentrée en dansant sur... Sur Bosch Anglais quand même pas. C'est pas ma musique préférée. Ce sera le mot de la fin. Si vous en avez fini, merci à vous trois et tout spécialement à notre nouvelle chroniqueuse, hein, Bénédicte de la Nouvelle Craque. Bonjour. Bienvenue. Et elle est tout rouge. Qui vient d'inaugurer sa première participation à Radio Mortimer, peut-être la seule, on lui a peut-être fait peur. Merci. Qui a un coup de cœur à partager encore avec nos auditeurs ? Moi, j'en ai un, même si c'est que jusqu'au 18 février, il y a Chagrin d'école qui est joué au studio avec Laurent Natrella, qui donc en fait met sur scène le livre de Daniel Pénac et qui est vraiment un super spectacle. J'avais déjà eu un gros coup de cœur quand Jacques Serres avait parlé de Proust. Et en fait, c'est aussi moi, voilà, j'aborde des textes comme ça avec des gens passionnés qui sont en seule en scène et qui disent les mots et qui leur donnent vie, et c'est vraiment une belle performance. J'ai aussi un autre coup de cœur à proposer, alors le souper donc qui est joué actuellement au Poche Montparnasse avec la famille Méguiche, qui est à la fois la mise en scène et sur scène tous les deux, et donc ils sont en train de dîner et sont deux personnages historiques, Talleyrand et Fouché, et ils décident de l'avenir de la France quelque part. C'est magnifique. Elle a été jouée il y a quelques années, oui. Et là, c'était pas très convaincant. Tout à fait. À la Madeleine, je crois. Tu l'as vécu dans quelle... Voilà, à la Madeleine. Ouais. C'était quelle mise en scène ? C'était avec Nils Arestup et Patrick Chenet. C'est ça. Ouais. Mais là... Ça marchait pas. là, c'était magnifique. J'ai pris une leçon de théâtre, en fait, en les regardant. Dans la petite scène ? Dans la petite salle Oui, dans la petite salle. Du théâtre Poche Montparnasse. Voilà. Bon, bah, je vous remercie